Attends, qu'il me fasse parler de la discussion. C'est à peine si je me souviens de dire rien, enfin, de ce qui en reste dorénavant. J'ai été leur pion depuis trop longtemps. Par chance, Lord Ravinder m'a pris sous son aile et m'a permis de voir que son aussi reste cet ordre dans mes yeux. J'avais un ami autrefois, mon frère. Je le considérais comme tel. Dis-lui qu'il avait du potentiel, je le donnais dans ses yeux. Il avait le même regard que son père. Crédus était un homme fier, si seulement j'avais pu le sauver ce jour-là. Je peux encore sentir le regard de douleur et de mépris qu'avait dit Luc à mon égard. Et tandis que nous battions les fers, mon pouvoir s'est déclaré et nous étions désormais devenus de parfaits inconnus, incapables de se côtoyer comme le feu et la glace. Aujourd'hui encore, je garde l'espoir de rembourser ma dette pour mon mensonge en protégeant les autres. Notre état est la cité de la liberté, n'est-ce pas? Les mondes arconnés et moules nous portent vers une nouvelle ère de paix et de sérénité. J'ai bien soif tout d'un coup. Je ferai volontiers escale au cadeau de l'ange pour boire un bon verre de vin dans la nuit.